Simone est courte suite au décès du président Béji Raïd Sepsi. La Tunisie se dirige vers des élections anticipées qui auront lieu le 15 septembre pour le premier tour. Donc tous les délais ont été raccourcis et donc la campagne se déroulera sur 12 jours. Et à l'étranger, la campagne démarre aujourd'hui avec un vote qui se déroule sur le 12, 13, 14 septembre. Donc je suis là pour rencontrer les Tunisiens à l'étranger. Nous avons 1,2 million de Tunisiens à l'étranger et donc une diaspora importante, une population importante, notamment en France. Nous avons choisi Lyon parce que c'est un carrefour qui permettra de regrouper plein de Tunisiens qui sont à Paris ou à Marseille ou en Italie ou en Belgique ou en Allemagne. Et donc ça sera l'occasion de démarrer aujourd'hui ici en France. Nous voulons expliquer aux électeurs qu'aujourd'hui la Tunisie a un potentiel de croissance énorme, un potentiel de développement important, qu'aujourd'hui il y a un rajeunissement de la classe politique en Tunisie, que cette démocratie aujourd'hui a besoin de vraiment, après avoir réussi sa transition politique, les libertés existent aujourd'hui bel et bien en Tunisie. Aujourd'hui, l'enjeu est économique pour vraiment apporter de la prospérité et du bien-être aux Tunisiens. Je pense que, de par notre expérience dans la gestion des affaires de l'État, nous sommes capables aujourd'hui d'offrir une vision et un rêve pour les Tunisiens, pour une Tunisie plus forte, une Tunisie moderne, une Tunisie démocratique et qui croit aux valeurs de liberté et aux valeurs universelles.